Art Ardèche Association, c'est une association qui regroupe des peintres, des sculpteurs, des photographes d'art et des écrivains et poètes. Il y a une vingtaine de membres dans cette association et on organise tous les ans deux salons, un salon d'automne avec beaucoup de peintres et peu de tableaux pour chacun. Mais là, actuellement, c'est le salon de Pâques, la 14e édition du salon de Pâques. La formule, c'est d'avoir un invité d'honneur qui occupe toute la salle principale du château. On a eu des invités prestigieux jusqu'à présent et cette fois-ci, comme on voulait inviter un sculpteur, on a mis un sculpteur et quand même un peintre parce qu'on ne pouvait pas laisser décemment les murs vides. Voilà. L'invité d'honneur en peinture, c'est Madame Nanou Imbert qui nous vient d'Aubenas, qui était l'ancienne adjointe à la culture à la municipalité d'Aubenas, entre autres. Son travail est assez intéressant. C'est la nouvelle figuration, comment dire, une élève de Picasso et de Francis Bacon, si vous voulez, pour faire un petit raccourci. Quant au sculpteur, lui, il vient de Montélimar, Montboucher plus exactement. C'est la première fois qu'on présente un sculpteur et ses pièces sont remarquables, qu'elles soient en bois ou en bronze, parce que c'est un sculpteur sur bois au départ et puis il fait des moulages bronze un certain nombre de cas. Donc c'est un mariage de peinture un peu moderne et de sculpture. Je pense que c'est assez réussi et jusqu'à présent, on a plutôt des bons échos. Les membres de l'association exposent dans les salles annexes et aussi méritent un peu de considération et même d'admiration si possible. Et aujourd'hui, nous avons deux événements à annoncer. C'est d'une part la sortie d'un livre de poèmes qui s'appelle « Brindille bourguezane ». L'auteur dédicace les livres dès à présent à l'entrée de la salle. Et puis on annoncera pour demain une conférence sur les troubadours et l'amour courtois qui est fait par un membre de l'association.